Oui, difficile au vu du résultat, et puis difficile aussi parce que on pensait à chaque fois avoir fait le plus dur. Mais on est tombé contre une équipe d'Agen archi motivée, mais aussi bonne parce qu'elle nous a quand même marqué deux buts dans le jeu, un coup de pied arrêté, donc le deuxième but voilà, qui permet à cette équipe d'espérer. Puis qui nous, bah, ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements. Voilà. Mais on savait que c'était un match compliqué, difficile, sur un terrain abominable. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on soit sorti de ce petit piège. Et puis surtout, donc, voilà, on continue notre aventure. On est les tenants des titres et on veut aller le plus loin possible. Le deuxième but fait du bien là, à l'entame de la seconde mi-temps où, où on a senti que c'était un peu compliqué. Et vite, vous avez débloqué la situation. C'était un match assez compliqué parce qu'ils étaient assez bons en contre, donc il fallait qu'on se méfie. Il fallait qu'on se méfie justement de leur contre-attaque. On a réussi à creuser l'écart, on s'est fait un petit peu peur quand ils ont marqué le deuxième but, mais on a bien réussi à tenir, on aurait même pu marquer un quatrième but. Donc voilà, l'essentiel c'était de se qualifier. Bon, on passe au prochain tour maintenant. C'était le traquenard parfait là, avec un terrain un peu compliqué par endroit, on a vu pas mal de glissades. Ouais, j'ai eu peur en plus sur une de mes glissades, je me suis fait très mal au coude et je crois que c'est Mathieu Bodmer qui m'a mis un 9 de note artistique, un truc comme ça. C'est pas gentil de sa part, mais bon. C'est vrai que c'était pas un terrain facile parce que du coup comme c'était gelé d'un côté et un peu mou de l'autre, on sait pas trop comment se cramponner, on peut pas... Compliqué de changer pendant le match. Exactement. Donc voilà, on essaye de s'adapter. Oui, je suis sûr que dans ce genre de match, c'est la qualification qui compte. Donc on a su faire ce qu'il fallait. À un moment, on s'est mis en difficulté, mais le plus important, c'est d'être passé. Il y a eu la qualité, mais on a été efficace dehors. Donc 100 matchs, 38 ans, 120 minutes mardi, 90 aujourd'hui, ça va les jambes? Non, il y a de la fatigue, mais bon, c'est le boulot. Quand on est mis à distribution pour l'équipe, il faut faire le boulot. Donc j'ai été présent. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir disputé 100 matchs avec le PSG? Mais je compte pas. Vous me l'avez appris. Donc non, c'est bien. C'est que j'apporte un plus pour le groupe, pour l'équipe. Donc c'est de bon augure pour moi avant la fin. Donc tu confirmes que c'est pas une pré-retraite ni le Club Med ici? Non, mes objectifs quand j'étais venu à Paris, c'était pas pour... Pour une pré-retraite, c'était pour justement apporter un plus et je vais faire ça jusqu'à la fin.